chien. Moi, en 1990, c'est mon petit soeur qui était malade. Moi-même, papa, maman, nous avons à l'autre côté avec lui. Si nous, moi, songez en 1990, c'est mon petit soeur qui était malade. Moi-même, papa, maman, avec petit soeur, nous avons à l'autre côté. Papa, nous avons à l'autre côté. Bon, nous avons compris, s'il vous plaît. Je ne cache rien dans la vie. Et puis là, nous arrivons dans le Carrefour, le Carrefour Bellevue. Là, nous arrivons dans le Carrefour, le Carrefour Bellevue. Mon petit chien dit, ha 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 ha. Là, nous arrivons, papa me dit, ah, mon cher Michel, je ne suis pas occupé de petit chien, ça, je ne vais pas mordre. Même si le mordre, on va faire. Mon petit chien, mon petit mourit dans la bataille. Nous ne pouvons pas saluer tout courage des Haïtiens qui ont traversé un moment extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas saluer tout syndicat qui réussit des belles journées de grève et que la population exprimée, refilée avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question la misère, avec question Gaza qui est packagé. Nous croyons ça, son signal fort. Très long. Et que tout le monde doit prendre note de lui. Même kidnappeur doit prendre note de lui. Même bandit qui va le pays à avancer doit prendre note de ça. Conférence Jodia, son conférence qui va parler des questions sociales, politiques, économiques, sécuritaires. Mais tout d'abord, on nous aborde des questions politiques. Sous question politique, nous avons un débat continué fait sous question accord 11 septembre. Et nous avons dit, peuple haïtien, encore, nous signons accord 11 septembre, c'est parce que la revendication est là-dedans. Un, il y a une question de sécurité pour tout le monde. Et ça qui a passé là, nous avons annoncé. Et nous avons dit si par des mesures concrètes, fortes qui prennent, nous avons privé dans la situation. Et c'est ça que nous avons décidé en d'accord. À quoi ça a l'hypothèse toute revendication que nous fait 4 ans, nous avons porté dans la RIA, conférence nationale, l'autre constitution, procès pétro-caribé, jugement tout bourreau, massacre, organiser pays, casser le système. Et transition de rupture qu'on a parlé. Et dit qu'il faut que c'est la dernière transition. Et c'est raison ça qui fait un signe. Et c'est ça que Forum Moun, pas qu'à critiquer l'accord là, il préfère faire des attaques directes sur SDP au lieu de faire des débats sur l'accord. Mais nous constatons tout, ensemble avec les peuples haïtiens, qu'on retard dans l'application encore. Et retard ça, nous condamner. Nous condamnons même là, dans certaines mesures, nous devons comprendre quelques explications PM Ariel de Konbaï. Par exemple, il faut parler avec de l'autre groupe pour permettre la participation de tout le monde parce que c'est une transition. Mais l'autre groupe, yo, qui pour moi-même, n'a pas le même intérêt avec SDP parce que dans le cas où il y a là, le peuple n'a pas attendre encore. Il a souffert en bas insécurité, des problèmes de gaz, mauvaise gestion. Corruption, toutes sortes de problèmes que nous connaissons. Ça veut dire, nous dit fuck, à quoi ça a été appliqué. Et dans ce sens, pour à quoi ça, nous-mêmes, nous avons continué à exiger l'application. Et nous avons dit, l'autre monde qui signe à quoi ça ensemble avec nous, nous avons dit PM Ariel Henry, comme nous avons signé à quoi. Passé 1er novembre 2021, c'est un autre bagaille qui va arriver. Parce que si le gouvernement Jovenel, ça, PHTK, ça, pas quitter le pouvoir, échoué dans la question de l'insécurité, dans la question de peuple à service, dans le gaz, etc., le peuple lui-même, il va retirer le gouvernement. Ça.
parce que le gouvernement ça échoué. Nous allons jusqu'à 1er novembre pour faire ça. Et c'est dans ce sens, M. André a bien pour parler des questions de mobilisation. Mobilisation. Sous question ça. Parce que le peuple n'a pas qu'à attendre encore. D'ailleurs, c'est nous qui toujours accompagnons le peuple, pas qu'à la souffrir. Revendication, il n'y a pas qu'à satisfaire. Il y a un problème dans le pays, et puis vous nous restez comme si rien n'était. Ça n'a pas qu'à faire. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous prenons toute disposition en ce sens. Sous question de sécurité, nous-mêmes, nous conscients, il y a un pile problème sous question de sécurité. De gagner des signaux, gouvernement ou bien Ariel, vous voyez, par exemple, les Ariel renvoyaient des mondes indésirables du bon côté qui a terrorisé la population, c'est des signaux forts. Les renvoyés CEPA, c'est des signaux forts, mais c'est pour qu'on vraiment une application totale d'emblée des accords. Et c'est peut-être ça que nous avons dit, gain des exigences pour Ariel tenir compte de. Un, application accord. Respect, date 1er novembre, qui dit pour l'autre gouvernement responsable dans cette pays. Et il faut qu'il y ait des mesures qui prennent sur la question de sécurité. Sur la question de sécurité, il y a des mesures que nous recommandons pour le faire. Je souhaite que la presse tende pour nous. Pour BNH, nous ne pouvons pas gagner avec Léon Charles. Léon Charles sont haïtiens, etc. Si bien qu'il a fait travail bien, on est bien content qu'il y ait ça. Même quand la presse, on tire bilan de Léon Charles. Police là, on a fait un service privé, un service payé, alors que le peuple a payé déjà pour ça. 9e recommandation, c'est acquisition de nouveaux matériels pour la police. Acheter des armes pour eux, munitions, chars, machines, etc. pour permettre qu'ils soient capables de répondre avec exigence pour le moment. 10e recommandation. Les policiers font intervention. Renfort de rivière à temps. Un policier ou bien pas qu'à une intervention qu'elle fait. Et puis le policier attend renfort. Il fait 4 et 5 et 20 minutes. Ça veut dire qu'il faut que renfort ou pas qu'on arrive à temps. 11e recommandation. Faut nouveau leadership là prend des dispositions pour remonter moral troupes à travers des stimulants, à travers des programmes pour montrer que les policiers ont fait un travail qui va être fierté, etc. 12e recommandation, il faut que nous arrivions à identifier de façon très claire les vrais policiers, soit à travers l'uniforme, soit à travers un signe ou avec quelconque. Les machines policières, il faut que tu sois capable d'identifier très clair. Les patrouilles, tout quelqu'un soit côté après. 13e recommandation, c'est renforcer le service de renseignement au niveau de la police et traiter données ça. Parce que sécurité, la police ne peut pas faire sans renseignement. 4e recommandation, 14e, c'est on demande d'appui technique, beaucoup de partenaires. Il y a des expertises que nous ne devons pas gagner. Pas oublier que les gangs, les criminels, ils ont infiltré dans la population. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine de ça pour nous écouter, pour permettre de démanteler. 15e recommandation, c'est renforcer l'unité anti-gang. Parce que nous avons une unité ça, anti-gang. C'est renforcer pour renforcer. Former au bail formation en plus et puis augmenter l'effectif. 16e recommandation, c'est actualiser la cartographie des gangs. Parce qu'il faut que actualiser, parce qu'il y a plus de gangs, il faut que vous regardez qui côté gangs ça aussi. Ça veut dire qu'il faut une cartographie des gangs. 17e recommandation, c'est établir un dialogue communautaire en deux quartiers populaires. Avec population, pour population qui a participé dans la démarche pour mettre sécurité pour tête et pour pays.
18e recommandation, c'est vivre faire ça avec les réinsertions sociales. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des âmes dans le monde qui sont criminels, qui sont des apprentis. On est arrivé sur eux à temps pour nous réorienter dans la société. Pour ne pas permettre qu'il y ait des effets criminels à comprendre. 19e recommandation, c'est établir une liste des bandits criminels. Ça veut dire qu'il faut une liste de gens qui ne peuvent pas le pays à fonctionner. Liste ennemi pays. Ça veut dire qu'il faut établir une liste pour ça. 20e recommandation, c'est rétablir une relation de confiance entre la police et la population. Ça veut dire qu'il faut que se sentir qu'il y a de travail ensemble. Faut la population pas appeler la police pour donner l'information. Ça veut dire relation police et population faut qu'il fait. 21e recommandation, c'est arriver rendre fonctionnel commissariat qui je ne veux dire abandonné. Il n'est pas possible pour gagner des commissariats dans des zones, il n'y a pas de policiers là-dedans, sous qui est sécurité population. Ça veut dire qu'il faut qu'ils rendent le fonctionnement. 22e, c'est multiplier patrouille en dans zone métropolitaine. Les préfixes, etc. Les gens qui ont fait manifestation, nous devons voir les préfixes, les policiers qui éparpillent dans la zone métropolitaine. Je dis, il faut que dans toute zone stratégique, il y ait des policiers qui stationnent pour empêcher le kidnapping fait sur le plan. 23e, c'est donner.